Bonjour et bienvenue dans votre agenda, voici les événements à ne pas manquer. On commence avec de la musique et le troisième concert de Noël solidaire qui aura lieu à Dizon en province de Liège. Ce sera le dimanche 14 décembre dès 15h30, un concert qui prendra place dans l'église néo-médiévale Saint-Fiacre et qui accueillera un ensemble vocal mixte d'une trentaine de choristes de la région de Fléron. En plus, c'est pour la bonne cause puisque les bénéfices iront aux Congolais de Sibombo, un camp de 14 500 victimes de l'épuration ethnique dans le pays. Tous les détails sur ce concert au www.disons.be. Si vous êtes un pro de la crèche de Noël, alors ce concours est fait pour vous. Le deuxième concours de crèche de Noël organisé par la paroisse Saint-Ruf à Avignon se tiendra du 8 décembre au 4 janvier avec un jury qui se déplacera à domicile des participants et à la clé un prix à gagner de 50 € pour la plus belle d'entre toutes. Les crèches doivent être majoritairement en matière naturelle. Le décor contribue aussi à la notation ainsi que les efforts de créativité. Attention, les inscriptions totalement gratuites sont à faire avant le 8 décembre. Règlement et inscription à retrouver au www.paroissesaintruf.fr ou en appelant au 04 88 54 35 70. Le mouvement eucharistique des jeunes des diocèses de Lille, Arras et Cambrai organise un grand rassemblement de jeunes pour préparer l'Avent. Ce sera le dimanche 14 décembre au lycée Saint-Paul de Lens, à Lens évidemment. Réservé aux 7-13 ans, près de 200 mégistes de 7 à 18 ans vont ainsi se retrouver autour du thème annuel inspiré du pape François, baptisé en son nom « Partageons notre soif d'action ». Au programme, de nombreuses activités sportives ou encore musicales, ainsi qu'une messe à 15h30 ouverte cette fois-ci aussi aux parents. Toutes les infos sur cette journée au www.mej.catocambrai.com ou en envoyant un mail à mej@catocambrai.com. On continue avec une journée des personnes handicapées moteurs avec l'OCH, l'Office chrétien des handicapés. Ce sera le samedi 13 décembre à Paris. Au programme, des activités, des groupes de partage et des ateliers thématiques sur le quotidien des personnes handicapées comme le sport, les souffrances psychologiques ou encore les relations amoureuses, le tout ponctué de temps de prière et d'une messe. Tout cela se passe à la Barouillère, rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle, Paris 6. Tous les détails en appelant au 07 77 68 08 16 ou en envoyant un mail à l'OCH communication@och.fr. Et on termine avec un bon plan pour les amateurs de gospel. The Original USA Gospel Singer and Band seront en concert au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Ce sera le 10 décembre. Le groupe sera accompagné pour l'occasion d'un orchestre live et reprendra des chansons mythiques du répertoire gospel, racontant ses origines et sa culture, des influences des Caraïbes au chant de Noël. Et avant eux, en première partie, les Gospel Kids passeront sur scène. Une chorale composée d'enfants issus de tout horizon regroupant une cinquantaine de nationalités. Informations, renseignements et réservations au www.lmprods.com ou en appelant au 03 67 10 33 33. Et n'hésitez pas, s'il y a des événements ou des cérémonies que vous connaissez, à nous les envoyer en envoyant un mail à agenda@ktotv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur vos écrans. Allez, l'agenda c'est maintenant terminé, on se quitte en musique avec l'album Mes Racines de Grégory Turpin et la chanson Oh prends mon âme, bon week-end. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source